Soyez abondamment bénis, téléspectateurs de la RTVC. Aujourd'hui, nous avons été enseignés par le pasteur Apotri sur le thème « La grâce de Dieu ». Le pasteur nous a fait comprendre que la grâce de Dieu est conditionnée par notre engagement à suivre Jésus. Certains amis se sont exprimés au micro de la RTVC. Aujourd'hui, le pasteur Apotri nous a enseigné sur la grâce. Il disait juste que la grâce, c'est comme une faveur que Dieu nous fait, au fait. C'est comme si c'est une grâce que l'homme n'a pas méritée, mais comme Dieu nous aime d'un amour suprême, il a permis que nous puissions vivre comme au temps d'Abraham, au temps d'Adam, au temps d'Isaac et autres. Le Seigneur a manifesté sa grâce envers nous et par la suite a envoyé Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver de tous nos péchés. Le tenu de cette prière d'aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, il a donné son Fils unique pour que nous nous serons sauvés. Parce que Dieu, lui, il voulait seulement que notre bien. Donc, il nous a sauvés. Et c'est pas parce qu'il nous a sauvés que nous devons encore continuer à faire tout ce que nous voulons dans la vie. Il faut simplement le louer. C'est ce que j'ai compris d'aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que nous continuions encore dans le péché. Dieu n'a pas donné la grâce pour que nous continuions encore dans le péché. C'est parce qu'il nous aime qu'il a donné la grâce de vivre éternellement. Amen. Pendant l'exhortation de Papa Apotri aujourd'hui, j'ai compris que pour avoir la grâce de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Amen. J'ai compris que la grâce de Dieu ne nous permet pas de retourner à nos péchés qu'on a commis avant d'accepter Jésus-Christ. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. Merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis.